كمون عشود ببي على المغرب مصوب ليك ولا بنتي المغرب envers son pauvre serviteur. Que n'ai-je une voix de ta mère afin de chanter en tout lieu que les plus heureux de la terre sont ceux qui la servent le mieux. Chrétiens, prêtez vos oreilles à écouter moi prédestiné, car je raconte les merveilles de celles dont vous êtes nés. Marie, ma grande richesse et mon tout auprès de Jésus, c'est mon honneur, c'est ma tendresse, c'est le trésor de mes vertus. Elle est mon arche d'alliance où je trouve la sainteté. Elle est ma robe d'innocence dont je couvre ma pauvreté. Elle est mon divine oratoire où je trouve toujours Jésus. J'y prie avec beaucoup de gloire, je n'y crains jamais de refus. Elle est ma ville de refuge où je ne suis point outragé. C'est mon arche dans le déluge où je ne suis point submergé. Je suis tout dans sa dépendance pour mieux dépendre du Sauveur, laissant tout à sa providence mon corps, mon âme et mon bonheur. Quand je m'y lève à Dieu mon Père, du fond de mon iniquité, c'est sur les ailes de ma mère, c'est sur l'appui de sa bonté. Pour calmer Jésus en colère, avec Marie il est aisé, je lui dis: voilà votre mère. Aussitôt il est apaisé. Cette bonne mère et maîtresse me secourt partout puissamment, et quand je tombe par faiblesse, elle me relève à l'instant. Quand mon âme se sent troublée par mes péchés de tous les jours, elle est toute pacifiée, disant: Marie, à mon secours. Elle me dit dans son langage: lorsque je suis dans mes combats, mon enfant, courage, je ne t'abandonnerai pas. Comme un enfant à la mamelle, je suis attaché sur son sein. Cette Vierge pure et fidèle m'y nourrit d'un lait. Voici ce qu'on ne pourra croire, je la porte au milieu de moi, gravée avec des traits de gloire, quoique
par sa profonde humilité. Marie est ma claire fontaine où je découvre mes laideurs, où je me délecte sans gêne, où je Jésus à son Père, et je n'en suis point rebuté. Je vais par Jésus, je vais à Jésus, par sa mère, et je n'en suis point rejeté. Je secret de Saint.